kati na mutema na ye akenda na yo lubaka tango na tango pote atandele oye koyeja yo mabudisi ya solo mabateli ya solo kwa kisabila kana yo nandeme na bolingo na yo kwa kisabila kana yo nandeme na posa na yo pambo la mokili na biso pona mbula matali ya ye mama na mosala na ye pe mosambeli asambela na tina pe ayano la ma kimia na solo pe aseko epesa meli kongo mobimba uta na node na sud na est na west nguya ya solo na yo kolo na biso epambo la kongo epambo la kongo na kimia na yo tosepelani na tinete moko moko na biso akojonga satisfait beni Père Pambolami, nous sommes Katina Yo, comme ça, la commune à Yeshua. Amen. Le papa, maman, jeune, vous te connaissez, maman. Mais t'as le ramené là, Bangouna, vous voyez? Ya, ya. Batongi, comme on a eu un coup de main, vraiment, en tout cas, Bangomi balé. Salamandenge, obali si biso mi bali, na basi. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un en Jésus-Christ pour ton honneur. N'est-ce pas à leur période, la clé est retrouvée. À leur période, la clé est retrouvée et remise à qui de droit. C'est à leur période. Que Moukala soit Isikias qui a restauré l'église avec son fils. Que Moukala soit Isikias. Je ne peux pas mourir, Seigneur, parce que j'ai restauré ton temple. Pensons les aimer restaurer Mouedi. Pensons les aimer restaurer Sikoumoussou. Yafé. Oui, la Kabar. Voilà là-bas. Lève les fonds. Lève les fumes, paquette là, 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 Jésus-Christ, je vais te prier, mon Dieu. Et j'ai cette ferme foi que tu m'as exaucé. Je suis là. Elle m'a dit qu'il est préoccupé, mais il y a des méthodes à couvrir, des méthodes en kangoulou, la diambo, il y a des méthodes à couvrir dans zéro koulou, mais tu me peux ça y qui le connaît, t'as ta préfet. Mais croco, écoute ça. Batata na ba mama mbochi abenwe beno l'invoquer la mono parce que mukesa la discours à mono na français monsieur le révérend pasteur
président de l'Église évangélique du Congo, monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire chargé de l'alphabétisation, monsieur le ministre directeur de cabinet de monsieur le premier ministre, monsieur le sous-préfet de Foiti, mesdames et messieurs les membres du corps ecclésiastique, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, il me plaît en cette circonstance mémorable de remercier Monsieur le Président de l'Église évangélique du Congo pour l'honneur qu'il m'a fait en m'invitant à cette grande, grandiose et spirituelle cérémonie. Je profite donc de cette occasion d'adresser mes souhaits de cordiale bienvenue à vous tous qui avez effectué le déplacement de Ngwedi sur cette terre hospitalière de la Bouenza. La célébration du 70e anniversaire du réveil spirituel au sein de l'Église évangélique du Congo se tient, vous vous en doutez, à quelques jours seulement de la fin du processus électoral scrutin de juillet 2017. Les résultats de ces élections couplées, élections législatives et locales, ont été rendus publics à la satisfaction du peuple congolais qui en a apprécié le bon déroulement dans le calme et la sérénité. Les élections sont depuis fort longtemps considérées comme l'un des grands facteurs de déstabilisation de la paix dans notre pays. À ce propos, souvenez-vous de mon message au peuple croyant lors du culte d'action de grâce du 5 avril 2017 au stade Omnisport de Madingou, culte qui avait eu lieu quelques jours avant la cérémonie de notre intronisation, et je disais, à l'orée des élections législatives et locales, moment généralement palpitant, nous invitons les enfants de la Bouenza à considérer désormais cette période comme faisant partie de notre existence. En cultivant en nous les vertus de tolérance, de transcendance, de fair play, nous offrirons à notre département une démocratie apaisée. Notre souhait, nous le disons ce jour, le plus ardent, est de voir ce département donner des signaux d'une démocratie en plein essor, voir les enfants d'un même terroir réunifiés au terme du processus électoral dont on connaît l'enjeu. C'est pourquoi, en ma qualité d'acteur de premier rang dans la sécurisation du processus électoral, je viens en cette occasion solennelle magnifier le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, pour la grâce qu'il nous a faite de nous accorder la tranquillité d'esprit qui habitait chaque citoyen de notre département. Aussi, me dois-je de remercier Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour garantir ce climat de paix et de sécurité qui a prévalu tout au long du processus. Nonobstant l'existence ici et là de quelques incidents, somme toute mineurs. Nos félicitations
sont aussi à adresser à l'ensemble des populations de la Bouenza, qui, une fois de plus, a prouvé sa maturité. Mais, oui, mais il y a le cas du département du Poul, département voisin au nord, où le processus électoral a été mis à mal par les ennemis de la République. Ce cas doit retenir l'attention de cette auguste assemblée. Il est certain, soit dit en passant, que le nombre que nous sommes ici aurait pu être plus important s'il n'avait pas le spectre d'insécurité qui plane sur ce département. Voilà, chers frères, chères sœurs, un sujet de prière quasi quotidienne. Une seule chose est à obtenir, et vous l'avez souhaité, à savoir que la paix véritable s'installe dans le département du Poul. Peuple de la Bouenza, il convient de souligner que le département de la Bouenza est religieux par essence. Pour preuve, on ne pourra jamais parler du réveil spirituel en République du Congo sans faire allusion à Ngwedi. Cette vérité absolue se manifeste aujourd'hui, comme en témoigne cette marée humaine, ce peuple de Dieu venu à la rencontre du Saint-Esprit. Mais au-delà de l'historicité de cet événement, je suis convaincu qu'une place de choix a été consacrée à cette occasion au bilan du réveil spirituel au sein de l'Église évangélique du Congo et au Congo tout entier. Pour notre part, nous retenons que les trois piliers du réveil spirituel sont l'obéissance, l'humilité, le respect, avec pour devise prier, travailler, autrement dit Sala, Sambila, Matondo. Il s'agit là des vertus cardinales qui caractérisent un bon citoyen de la République. On peut donc espérer que c'est de Ngui, c'est de Ngwedi que partira le citoyen avec lequel la République doit compter. Peuple de Dieu, autant que vous êtes, venu du nord, du sud, d'est, de l'ouest, Vous avez subi la transfiguration par le Saint-Esprit, faisant de vous des citoyens responsables de cette République que Dieu a confiée entre les mains de Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. Tout en vous souhaitant bon retour dans vos départements respectifs, je vous prie de bien vouloir laisser toutes vos bénédictions sur terre potentiellement riche de la Bouenza. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tata préfet, Matondo. Matondo. Mettre qu'est-ce qu'on a dans Zambie, la bise dans Zambie, mais qu'à tout un tama, mais qu'ils a qu'on l'a mettre membre en Zambie. Là, il y a un peu qu'on l'a tata Berti Roman, mais qu'ils a fait. Si l'Église unie de Suède, Pessaka de Louvevé, Gaïme Kouizavé, na, Betume Kansako, Pessel qui dit, mon mari Kabouna la maman, Kouna la Suède, na Uppsala, moi dit Poutake Awa, couleur et mot de ma maman, la matin, la bête qui Kabouna la chemise, et puis, en plus, Mikan Awa Marie, elle est Awata. Qui est-ce que c'est? Yes, sir.
Maître Kim Bokina. Il est séministe, vous avez vu. Maître Kim Bokina, Tata Ngewatao, na délégation de l'Union Cuisana Yandi, na Maman Mansai, Beno Cuisa, Beno Pé. Moi, la membre, hein. En tout cas, maman Pouta Kekuna, mais que ça la suite, tata na mama, tata na mama, tata na mama, ça m'a couton de Kakanzam. Et puis, sachez comme celui que j'aime mon pays. Donc. Papa Pierre, il est pas de besoin, il est de la bon, en tout cas, il est là. Maton de Mig, même si maman vous dit, c'est bon. Ce sont nos frères dans le Seigneur, mais c'est aussi des membres du gouvernement qui n'a conférencé ma tonde n'a pas pasteur nyonso bilongi nyonso ba kenja bisier le nyonso qui conduit la conférence des ecclésiastiques. Vraiment, monsieur Danzami, nous avons ça pour la belle. Bah, ma boumé, tout d'accouluta, mais y'a qu'il m'a bouvé. Mais peu quoi, hein? Béton l'invoquila, n'a pas de sangue la raca. Ben, mettant la conseil, mais qu'on bac avec les ingots, on va dire sa montre. Ça me dit, y'a qu'il m'a bien tata, hein? Y'a qu'il m'a bien ça. Montre, montre, n'a y'a de que ça me met sa tata, hein? Et qu'il m'a bien y'a. Il n'y a pas de crise dans le ciel. C'est toute une vérité. Il y a que ma bande, en tout cas, moi, je ne sais pas si je suis là, mais il y a que des monde. Et qui m'a dit que je suis là, les bagangoulous ne sont pas contre le ciel. Il faut mettre quoi en beauté. C'est quelques individus qui ont parlé, n'ont pas parlé au nom de tous les bagangoulous. Gamboma, mais au Kabouk avec la Dibouda Bête. Mais le quoi en beauté, nous, le président, il dit que nous sommes là. Bakena beto yiki kintoa. Si muntu kutubote o bayame katuka bame katuka ve ni yandi kena kuzonza muntu me katuka me bayaka kave. Dibundu ve. L'église n'est pas déchirée. Celui qui déchire l'église ni yandi na kena kuzonza tenke sa ya. Mais l'église n'est pas déchirée. Ya tonda kuvoir daba sa dana tamé nzambi muntu ya ou me kusimbira ya. Mais le quoi? Ni va mettre beaucoup d'inqui. Guapu. Guapu. Mais aussi, il y a un peu de temps. Mais toujours, il y a une retraite en beauté. Na tata Jacques Mbéry, tata Cuisa. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.